Quelques grands points qui dominent l'actualité, le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris accueillent les Américains qui libèrent dans le cadre de gros boucantage historique prisonniers entre la Russie et les pays occidentaux. Les États-Unis reconnaissent l'opposition Venezuela remporter l'élection dimanche après l'Ilagé Verni. Ce résultat, l'institution électorale a publié et qui reconnaît le président Nicolas Maduro comme vainqueur élection avec 51% voix. Voilà, c'est quelques points qui dominent l'actualité. Talia, nous t'étant des collaborateurs, nous, Jacques Bézé, qui était avec nous sur la page et Facebook là. Et bien, bon, on a salué, on a remercié vous. Et on a dit que le grand point qui dominent l'actualité à États-Unis accueilli et prisonniers qui étaient prisonniers américains qui étaient participés dans ça, les boucantages historiques qui ont fait entre la Russie avec les pays occidentaux. Nous allons juger Jean-Thierry Augustin pour plus de détails. Président Joe Biden et vice-président Kamala Harris accueillent journaliste américain Ivan Gershkovich, ancien militaire Paul Whelan, journaliste Alsou Kermascheva, ensemble avec dissident anglais qui gen origine russe et qui ap vive États-Unis Vladimir Kara-Munza. Yo te rive nan base militaire Joint Base Andrews nan état Maryland. Après libération yo hier jeudi a nan ville Ankara nan pays Tiki. Journaliste Gershkovich fait premier déclaration li sou terre américain yan après libération li. Gen yon bagay mwen ta remen di. C'était yon gros cause pour moi pour monter nan bisa jodi a. Et puis ouais non seulement américain ak alman men tout prisonnier politique risio. Mwen passé seulement yon mois nan prison nan Yekaterinburg. Côté tout moun mwen te avec yo, c'était prisonnier politique. Jodi a, c'est yon moment spécial pour moi tout. Moi ta vraiment envie ouais si nous ta ka fè yon bagay sou histoire yo. Moi ta remen parler ak moun sou ça nan semaine ak mois k ap vini yo. Gershkovich te fè commenter ça sou Peace Joint Base Angels. Ça te vint seulement semblé yon réalité lè nou tap traversé espace aérien Angleterre. Moi c'est yon citoyen Grande-Bretagne qui donc lè nou te rivé Angleterre et puis te voyé jem en bas, c'est lè ça li te vin yon réalité pour moi. Nou traversé Irland, Canada ak États-Unis et puis lè ça moi connais moi la caille moi et puis moi descend avion ouais président vice-président, c'était que content. C'était un bon retour. Kounya, moi pas qu'attendre pour wè fami mwen. Et puis, rattraper 5 l'année, 7 mois, ak 5 jours, nan histoire sans sens que moi tap vive nan la Rissi. En pile, que content, bon côté fami. Zami, après gros boucantage prisonnier ça. Bon côté pal. Jouer basketball américain Britney Greener que la Russie la gagné dans l'année 2022 dans un boucantage prisonnier même genre dit reporter yo c'est un gros jour moi vraiment content pour famille yo kounye ya chaque jour américain retourne la caillou c'est un victoire malgré gros boucantage ça c'est pas tout prisonnier qui joint chance yo. Christopher Van Hilden, Gembou Boutli, Xenia Karelina, qui gen origine russe, qui pa nan groupe qui libéré ya. I'm happy. Mwen content pour yo. Mwen content pour otage yo, pour peuple là, américain yo qui retourne nan famille yo. Mwen content en pile et ça ban mwen en pile espoir. Mais en même temps, mwen triste en pile et mwen dévasté parce que Seigneur moyen pas sous liste ça. Président russe Vladimir Poutine rencontré et puis embrassé citoyen la Russie qui atterri nan aéroport Moscou hier jeudi 1er d'août 2020. 4 là boucantage prisonnier ça by gouvernement Biden Harris là yon gros avantage diplomatique malgré gen connaisseur qui dit libérer prisonnier russe qui était en bas condamnation pour
crime grave capable encourager l'ennemi États-Unis yo prend plus otage. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Dans l'autre programme de l'actualité, nous parlons au Venezuela, côté opposition, insister que c'est lui-même qui a emporté l'élection dimanche. Dans un moment, le président et Nicolas Maduro lui-même, il mettait dossier devant le suprême pays pour faire lumière. Sandra Lemaire. Cour suprême Venezuela a accepté demande président Nicolas Maduro fait pour mener un audit sous résultat élection dimanche là. Tribunal a passé l'ordre by monsieur Edmundo González à 8 autres candidats qui étaient participés dans l'élection présidentielle là pour comparaître devant juge jeudi vendredi. Caricia Beatriz Rodriguez, c'est président Cour suprême Venezuela. Se admite, se aboca e inicia el proceso de investigación y verificación. Le processus investigation et vérification pour certifier sans restriction résultat processus électoral qui était déroulé 29 juillet 2024. Jean président constitutionnel République Venezuela Nicolas Maduro Moros Mandea accepté et inscrit. Venezuela Nicolas Maduro Moros mediante el presente recurso contencioso electoral. Mercredi, Maduro a demandé au tribunal supérieur pour faire audit résultat élection, mais demande ça a été soulevé critique. Top, bon côté observateur étranger, qui t'a dit tribunal là, trop cocotte avec Figaro, avec gouvernement, pour mener enquête indépendante. Et pour qu'on clair, si premier concession Maduro a, pour gagner plus transparence, ces résultats, je t'attendais, monsieur t'a gagné avec Brésil, Colombie, avec Mexique. Quelques minutes avant l'annonce Cour suprême, non, Maduro était paraît devant une foule depuis le balcon palais présidentiel là. Côté il était bat bravo pour décision tribunal là et puis dit la répondre présent vendredi. Maduro réaffirmait tout menace contre manifestants yo et lui demandait partisans yo faire gouvernement connaît ça y a fait pour yo ka al chercher yo ri Paris et quartier par quartier. Hágame la denuncia de los delincuentes fascistas para irlos a buscar. Gouvernement Maduro a abséré boulon manifestation qui était déclenchée lundi après opposition a été crié coquin et puis dit les preuves Maduro perdit. Maria Corina Machado, c'est leader opposition. Porque vamos a hacer valer la verdad. Dis nous pour affirmer vérité, parce que monde n'en parle ouais. Force à détermination, une société qui déterminée pour vivre dans la liberté. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Une autre programme de mini-actualité à Namaïnouyan, le secrétaire général et groupe militant Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, et bien, li, bah, je dis à la fond des classes, le groupe là prend revanche l'idée que vous perdu à la côte monde qui tue l'idée à Ismaël Anié. Nous allons jouer, et pour nouvelle ça, nous allons jouer Valérie Saint-Louis. C'est hier jeudi dans la capitale libanaise, dans la ville Beyrouth, que une grosse cérémonie enterrement est faite pour honorer le commandant en chef militaire Hezbollah que Israélien ont étouillé. Pendant l'enterrement, ça, militants palestiniens ont lancé appel pour tirer revanche. Secrétaire général Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, te bail un discours à travers un lien vidéo pour parler avec moun qui était dans la peine et puis tout pour lui honorer la vie Farouk Chokor, un ancien conseiller militaire qui était mort dans une attaque aérienne israélienne qui a été faite sous quartier dans site Beyrouth mardi passé. Saïd Hassan Nasrallah te dit que le conflit régional avec le peuple israélien est entré dans une nouvelle phase qui est différente et sous plusieurs fronts et lui promet une réponse à l'attaque israélienne. Ennemiens et monde qui derrière ennemiens doit tendre réponse nous qui va venir inévitablement. Si bon Dieu veut, pas gain aucune discussion ou soit débat sur ça. Et entre moi même avec nous, ça a gain la donne la journée pour la nuit yo et sous champ de bataille là. Résistance jodi a existé depuis longtemps et puis nous tout ta doit songer ça avec colère, avec raison, avec colère, avec sagesse, avec courage, avec audace. Et puis bon Dieu gain capacité ça. Saïd Hassan Nasrallah te dit que seule façon pour calmer la région Moyen-Orient, c'est là qu'ils mettre fin dans la guerre Gaza. Il continue à parler pour le dire.
toute pression ça yo pas pral marcher. Si n'importe monde qui intéressé dans empêcher région augmenter et vienne pi mal à pi gros bataille yo ta doué mettre pression et puis obliger peuple israélien suspend agression li contre Gaza. Pas gain aucun l'autre mot. Monde qui était dans la peine qui sorti dans pays Liban à l'autre côté yo t'est assisté entièrement commandant en chef militaire Hezbollah. Parmi yo gen la donne représentant diverses factions palestiniennes. N'a rappelé que dans soir dans madi un drone israélien t'est tiré 3 missiles sur une position tout près édifice conseil Choura Hezbollah dans quartier Daye dans sud Beyrouth. Frappe la touye Faoud Shakour ensemble avec 5 autres monde et blessé 74 autres monde. Le mon commandement arrivé quelques temps avant assassinat leader politique Hamas là Ismaël Haniyeh pays Iran et c'est pour ça que groupe militant palestinien yo t'est blâmé peuple israélien pour veille à créole. Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis, nous pas n'a prêté n'a tourné ici aux États-Unis côté et candidat parti républicain Donald Trump avec candidat pressenti parti démocrate là vice-président Kamala Harris. Eh bien, il y a eu une voix à sur l'autre pendant campagne électorale menée dans quelques états dans pays. Nous pas joindre pour nouvelle ça c'est François Michel. Candidat républicain Donald Trump déclaré devant Cipotelio dans l'État Pennsylvanie, prétendu rival démocrate Lyon, Kamala Harris, c'est un coquin. The radical left Democrat party bosses have installed a dit, patron parti gauche radical démocrate l'a installé un candidat pour Pétrel pour lutter pour eux seulement. Kamala Harris pas de joindre aucune voix. L'idépend de un paquet de secteurs qui créent campagne Lyon, qui contrôle le gouvernement noir et ramasse plusieurs milliards de dollars. Ça a fait quelques temps après ancien président et posé question pour connaître qui race candidat démocrate là hier. Elle venait à causer ça dans la convention nationale journaliste noir américain. Yo. Réalité c'est que maman Kamala Harris c'est un indien et papa c'est un noir. Vice-président toujours identifié tête li comme noir américain qui gagne origine dans Sud Asie. Depuis le vice-président paraître comme candidat pressenti parti démocrate là, li égalisé à Trump dans sondage Bloomberg avec Morning Consult t'es fait dans cet état important. D'après des sondages Sayo, vice-président joint gros support pour côté électeur jeune, noir et hispanique. So, the momentum in this race is shifting. Yo. Vice-président dit, donc, il en a course électorale à changer quand Donald Trump commence à sentir effet. Nous, carrément qu'elle. Harris a parlé comme ça dans un meeting dans l'État Georgie, côté de déclarer, semblait Trump gagne en pile bagaille pour le dire de moi, mais il pas voulait participer dans un débat en septembre. Eh ben, Donald m'a espéré ou a préconsidéré pour rencontrer maintenant un débat dans le jour qu'a vu une live. Pour Vabla dit, si vous gagne un bagaille pour dire, campé en face, moi pour dire. Dans Caroline Dino, électeur Wanda Cherry déclaré, lui content décision Parti démocrate la prend pour Kamala Harris remplacer président Joe Biden. Stanley, yon électeur dans l'État Georgie, pas quoi Harris paraît pour le président pays. Phil Onbey, yon l'autre électeur dans Georgie, dit lui-même Kamala Harris relance course présidentielle là. Dans Californie, électeur Marina George dit la supporter Trump pour remporter la victoire devant rival démocrate Lia. Sondage opinion Bloomberg fait dans tout pays a montré Trump avec Harris égal égo. Dans moment marqué moins que 100 jours pour élection déroulée. Serge François Michel, VOA Creole. Pile la cobat dans les Jeux Olympiques, nous carrément mesdames yo a brillé dans compétition ça n'a pas allé dans pays d'Haïti. Et bien n'a dit que yo en tropical en fait en pile la pluie tombé dans pays d'Haïti à cause d'un tropical qui dans zone là et justement la guerre plusieurs communautés dans
mourir à cause inondation qui menaçait yo, et capitaine météo a annoncé la pluie qui a tombé toujours pendant le week-end, il demandait tout le monde tout comme tout, et on a parlé de protection civile, mandé population pour yo prendre en pile précaution. Nous pas jeune sur question ça Aristide pour plus de détails. La pluie qui est tombée sous capitale pays hier soir ralenti l'activité de transport dans plusieurs zones à cause de l'eau, la boue et fatra qui prend la ria. Situation moun ka viv nan kan déplacé ou vin pi malouk après la pluie. Yo mandé autorité l'état ou pour voyager sou yo dans situation à vivre là. Il a fait long et bien nous pas non plus problème. Même soit nous gen ça, il va dire dit loin et ça sou il va dire ça soit dit loin, doit courir dans mien. Puis vache pour être là, déchirer, il veut faire des beaux. Mais après la pluie m'a porté si moun ça va bon, m'a kembe de soukoum qui est en main, tout le monde est là pour la jouer là. Nous avons un ballon. C'est toi nous pour jouer dans ce que ça. C'est toi nous pour nous taper à nous chercher. Nous avons un ballon pour nous coucher. Nous ne sommes pas bien, même. Nous ne sommes pas pour rester dans le ballon. Nous ne sommes pas là, même. La plus tape tout meilleur soir là, mais même tellement bagaille, c'est mon petit bras me chercher, me mettre pour me courir ça là. Tout ça, depuis que je me suis fait vina, un gros homme qui était relé dans le téléphone, mal côté, il dit bon, $600 m'acheter ça. Mais depuis que je me suis acheté là, je vais me vite m'acheter là. Ça, c'est un monsieur qui fait un cadeau bout de poêle là, ça y est. Hier matin, pendant le vent, il tout bon, il dit non, pas camouille, non, lui bon, il me mettait là. Depuis que ça, l'état va jamais venir garder nous là. Dans le bulletin météo, autorité protection civile a publié vendredi 2 août 2024 là. Il a annoncé un tropical OT26 qui chita col dans le pays qui va capable provoquer la pluie à coûte l'ouest sous département nord-ouest, nord, nord-est, centre, la Tibonite, l'ouest, sud, sud-est, dans fin journée à Knaaswe. Il continue pour dire la mer sous côte nord, sud à golfe la Gonave là capable mouver dans week-end là et au mandé navigateur faire en pile prudence sous la mer. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven Aristide. Dans l'autre point qui a dominé l'actualité, après le ministre Gary Conille visité une compagnie qui a vendu l'électricité ou qui a vendu l'État haïtien électricité avec espoir pour le qui met façon à produire plus d'électricité pour la population. Emmanuel. Gouvernement haïtien semblé pour résoudre tout bon vrai problème blackout là dans pays d'Haïti, notamment dans Port-au-Prince, capitale haïtienne, qui a fait face depuis quelque temps à ce phénomène ça. C'est dans objectif ça, Premier ministre Gary Conille rend visite dans Ipawè semaine ça, une compagnie production énergie électrique qui chita dans Cité Soleil. Pendant visite là, chef gouvernement chita parler avec responsable institution et d'emblée lui reconnaître que problème électricité dans pays d'Haïti gagne plusieurs dimensions. Pour résoudre le problème nan, Premier ministre nan kwè li important pour gen discussion ki chita sou avenir ak partenaires comme Ipawè nan lide pour réfléchir ensemble et wè ki jan yo ap vini ak solution. Il y a un objectif commun qu'on doit se donner sur le court terme, les 18 mois de cette période de transition. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce que vous pouvez rassembler même votre compétiteur, d'autres gens intéressés par le secteur, le gouvernement, pour qu'ils puissent définir cette vision commune? Je pense qu'elle est importante. Chef gouvernement, de l'autre côté, fait connaître objectif rencontre ça, c'est pour mettre tête ensemble et venir avec amélioration qualité service, électricité à offrir à tous les citoyens. Oui, il faut qu'on puisse résoudre les problèmes du réseau. Il faut qu'on puisse s'attaquer aux problèmes des infrastructures. En finalité, l'objectif commun doit être d'améliorer l'accès à l'électricité pour tous les Haïtiens. Et évidemment, dans cet objectif-là, pour moi, il peut avoir un rôle à jouer aussi. Promesse gouvernement qui passe dans ce qui concerne l'amélioration qualité service électricité à offrir à tous les citoyens haïtiens, pas nouveau. D'ailleurs, ancien président Jovenel Moïse, dans promesse campagne, il était fait, n'a pas rappelé de promettre l'électrifier pays en 24 sur 24 en seulement 24 mois. Une promesse qui n'a pas arrivé concrétisé. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et bien, un parti ou bien un groupement politique demande population qui est victime d'insécurité a pu porter plainte contre l'État haïtien, Renan Toussaint. Coordonnateur général parti politique Vive Haïtien, Biron Odige, mande tout le monde qui est victime de près ou de loin en bas violence gang armée porter plainte contre l'État haïtien pour capable corriger les situations, aux situations côté citoyens haïtiens continuer à victime en bas négamé. Ouais ça, nous la donne net alcoolé. Parce que nous ne pouvons pas vivre. Donc, nous ne pouvons pas vivre dans l'insécurité encore. Ça fait demander avec CPTA, avec le gouvernement,
pour suspendre, qui ont cherché une harmonie entre eux, pour résoudre le problème de sécurité. La population n'est pas capable encore. Tout route bloqué, ou pas qu'à province, ou pas qu'à le pièce côté, ou seulement un petit côté dans la capitale là. Et qui était monde à créer événement pour nous, pour une population focus de événements. Donc c'est des fausses primaires pour ça l'image monde. C'est pas ça que je cherche aujourd'hui. Comme dans a parlé des conseils électoraux, population pour qu'on a fait conseil électoral. Population a besoin de sécurité. Bon côté parle, Wony Timothée, porte-parole Vive Haïti, plaide en faveur d'un support économique au profit parents élèves l'école pour nouvelle année académique 2024-2025. Là. Nous pas ouais, parents pas avoir petit de l'école. En parlant de pas avoir petit de l'école, permettez-moi de profiter de ça pour demander au gouvernement ça là, qui mesure pour le prendre. Parce que côté l'école fermée, là, va l'ouvrir. Bon bon parent qui aux abois, bon bon parent là qui en battant, bon bon parent situation économique yo pas bon du tout. Maintenant là nous vinn di parent ça yo, c'est parent yo et vinn demander gouvernement ça fok li di un bagay et fok li fait un bagay par rapport avec situation pays a. Plus passé 678 000 moun kouri ki de kayo al pran refuge soit sur une place publique caille famille ou bien caille yo zami sorti mois janvier pour arriver juin 2024 parmi yo 310 000 femmes actifies à cause gang armé yo yon chiffre qui doublé par rapport à l'année passée yo sans pas oublier tout 1379 moun qui victimes meurtres à blessures à 428 lotes qui subit cas enlèvement d'après un rapport des Nations Unies. Winan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Dans l'autre nouvelle, mais Jésus Piquio arrivé dans la 7e journée dans la ville de Paris en France, Jacques Belizère. On a commencé avec un football au basculé. Japon calé Espagne 3-0 pour le qualifier pour demi-finale. Côté la joine Maroc qui lui-même te venait les États-Unis 4-0. Argentine avec la France trouvée en quart de finale pour y joindre une place dans demi-finale. Dans judo, judoka français Teddy Riner remporté 3e médaille d'or dans la catégorie 100 kg grâce à la victoire sous sud-coréen Kim Min-jong. Les tournées judoka qui pit titré. Président français Emmanuel Macron et à le féliciter monsieur personnellement. Médaille d'or Kaime Damio gagne une médaille d'or qu'a joindre brésilienne Beatrice Sousa dans la catégorie plus que 78 kg. Et puis nageuse Cathy Lideki avec gymnase Simone Biles gagne rendez-vous avec l'histoire demain samedi. Simone Biles Noëli en pimpin et ben elle est déjà passé dans cool 6 médailles d'or dans carrière après elle t'ai fait une démonstration fabuleuse sorti dans la compétition par équipe pour arriver dans la compétition individuelle. Et puis dans le tennis au masculin, Espagnol Carlos Alcaraz, qualifié qui est en première position, qui gagne 13 médailles d'or sur un total de 31. Et en troisième, c'est la France, 9 médailles d'or, 31 médailles au total. Grande-Bretagne, 25 médailles au total, mais 9 médailles d'or. Australie, Corée du Sud, Italie, la Hollande, Canada, et qui ont complété top 10, donc 10 premiers. Et c'est là nous mettons fin dans la mise à jour sous Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Merci Jacqueline et bon week-end pour nous souhaiter que nous continuions cette compétition même pendant tout le week-end pour les sacs à passer. Alors, il était branché sur la plateforme de VOA. On va connaître et à tête qui est content et à tête qui fâche tout parce que qu'ils ont éliminé Bonheur. Nous pourrons joindre Judo Anseré qui va parler nous de vedette bien encore groupe musical haïtien dans l'État Floride. Célébration 69e anniversaire Compas Direct là t'est déroulé samedi passé dans Oakland Park État Floride sous initiative Maxi Sound Productions dirigé par Alex Timmer. C'est orchestre Les Chleuchteux qui t'est performé pour inviter présent yo. Nous t'ai parlé avec Smith Jean-Baptiste qui c'est un rare musicien Chleuchteux qui toujours vivant et actif dans musique. Nous demandé comment liwe évolution Compas Direct là par rapport à musicien qui a joué journée jodi a. Un bon musicien parce que il apprend bien moi même c'est volem de volel mon n'a pas de jouer musique. Donc c'est deux mamies. Ma première fois avec baguette, je n'ai pas d'instrument, je n'ai pas d'oreille, c'est oreille, moi, puis.
Je suis au début à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à jouer instrument. Définitivement, c'est bon instrumentiste. Mais compagnie de clavine pour l'autre forme, c'est pas que pour le meilleur, pour le pire, non. Mais pour le meilleur, mais Livine a une tendance que tout le monde a suivi, même courant. C'est le problème ça me avec lui. Et des fois, c'est chanteur pour faire reconnaître qui jazz comme lui. Parce que c'est même courant, c'est même allure là qui veut aller, c'est même tendance. Mais avec le système enregistrement qui est modernisé, tout le monde se bien. Nous-mêmes, c'est jouer jouer là, c'est live, santé dans le studio, tout le monde vient jouer. Avec la technologie, c'est quoi de savoir, chaque musicien a le voir après. Il y a déjà plus parfait que ça que tu as fait avant. Sauf qu'on instrument d'hier avec un instrument aujourd'hui, c'est deux bails différents. Bon côté Pali, Clifford Sylvain, musicien tambourinaire qui t'a joué avec les Chle-Chle, quoi que qu'on pas dire que tu as évolué plus vite si tu es plus bon responsable qui a dirigé Haïti. C'est-à-dire que qu'on pas dire que chaque fois qu'on le crive, ils font évolution. Je dis assez dommage, nous avons pays à cause du gouvernement, nous n'avons pas de compatriotes avec la BC, parce que y a trop de musique, tête chat qui joue dans la radio, musique étrangère qui joue dans la radio, nous avons des animateurs compatriotes tout, qui pas même, qui pas animateur compatriotes, mais animateurs de l'autre musique, qui a joué musique qui pas pour nous. Nous t'ai parlé tout avec Alex Timmer, qui t'a organisé soirée célébration 69e anniversaire compatriotes là dans l'État Floride. On a fait connaître que Alex Timmer a couru sur 19 ans depuis qu'il a organisé célébration. Fête compas direct chaque année dans l'État Floride. Mon cher, je expecte soirée à ta soirée là, mais c'est une soirée de classe que moi je mets en pile. Dans toute soirée qui fait pendant 19 ans, ouais, depuis 50 ans, je commence à lire. Et puis, nous avons 19 ans, l'autre année, j'ai 20 ans depuis ma fête. Et je suis content de soirée. À. Bon, Alexis Mer, à soirée, vous avez en pile médaille. Et sous qui critère médaille, ça vous avez à soirée là, à mon qui recevra médaille. Moun ki resevo medaille, son bar me fait chaque année. Allez, passe me fait cadeau 150 médailles. Aujourd'hui, dans 450, je baille 150 médailles. Chaque monde qui vient, pour ça me baille, parce que je voulais que je connaisse. On sait deux monde qui ne connaît qui couleur qu'on va direct, c'est rouge et blanc. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas et ne mouge Baptiste. Je ne connais qui est-ce qui ne mouge Baptiste. Je me dis toujours, je baille photo de mouge Baptiste à toute médaille. C'est un gros médaille lié. Mes amis, où est-ce que je vais médailles ça? Les plus parce que ça ne me fait pour combattre direct, ça ne me fait pour culture haïtienne. Non, pas quoi que monde qui fait encore. Pour toute nouvelle, souvenez d'être dans HM Island, non pas, c'est juste de on serait. Vous voyez, Créole, Miami. Abela, Abela, psychoécole là. Alors, mes amis, week-end arrivé, mes amis, jeudi, c'est vendredi, c'est 2 août. Mais merci au côté passé toutes ces semaines avec nous. Donc, on connaît. Jeudi, c'est week-end, c'est vrai. Ou pas le bon boucher, si ou pas le bon boucher. Eh bien, on connaît. Soit conduit ou pas à consommer alcool. Et si vous consommez alcool ou pas à conduire. Moi, merci à tous les collègues, tout le monde qui t'a aidé nous mettre le programme ça dans le jeudi. Et je remercie particulièrement Jean-Marc Evéa Bella, qui était le bon contrôleur, qui t'a contrôlé Léa pour ne pas dépasser. Bonsoir tout le monde et bon week-end. Game Milan, tout, c'est ça? Bon, producteur, non? Qui sont ingénieurs de soins. Bon week-end tout le monde. Bye bye. Pas quitter la paix établie dans notre pays. Mes amis, laissez-moi dire clairement que nous apprenons, selon qu'on ferait nous, qui c'est Romanes Samedi, gagné officier kenyan, yo. T'as bien ça, m'a dit, hein? Qui commence à plaindre pour dire que matériel qui a gagné là, yo, anti-blende, yo, et de l'autre matériel qui a gagné, yo pas qu'à répondre avec question, mode opération qui a tablé mené, hein. Y a plein yo pas gagné mat là, nan basio, y a plein yo ensemble de problèmes, y a pour côté nan basio. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, pour côté volonté vraiment, pour côté communauté internationale, là, et pour côté dirigeant nous en Haïti, pour que yo ta capable venir résoudre question insécurité. Parce que, on regarde clairement, c'est pas jodi que mission connaît la rentrée. Depuis octobre 2023, attendez bien, m'kwè c'est 2 octobre 2023. Gè 13 pays sous
4 et 15 pays qui t'a décidé de voter ça n'est les résolution 2699 non qui acceptait que on dit une mission étrangère rentrer en Haïti sous demande gouvernement Ariel Henry pour que mission vienne aider la police dans la bataille contre question insécurité. Est-ce que nous songe ça? Est-ce que nous rappelons nous ça? Hein? Est-ce que nous rappelons nous ça? Kounia, on dit que mission vient commencer à entrer, on dit de octobre, mission te de entrer en mois janvier 2024, yon vient entrer jusqu'à, mou quoi c'est 25 juin, si m'pas trompe, qui donc n'est pas 6 mois, 7, 8 mois après, yon vient entrer dans le pays, hein? Et en plus, le journaliste qu'on a constaté que, on dit avion militaire américain, cap débarqué dans l'aéroport là, n'a pas été matériel, poté blindé, poté ci, poté ça, jusqu'à ce que premier troupe, officier Kenyan débarqué en Haïti le 25 juin, c'était au total 200. Et après, t'as parlé le 16 juillet, t'as parlé un deuxième troupe qui va débarquer, qui t'as parlé 200 plus 200, 400. Et c'est aujourd'hui là que outendé que officier Kenyan yo, responsable et mission, a dit que pas de matériel, pas de moyens et moyens qui gagne yo, li pa ka aide à répondre avec question insécurité bata kont bandi yo. Je dis à qui ça pour nous croire? Je dis à qui ça oublie pour les Haïtiens faire lui-même? Et qui est exactement? Qui en dit pas prêt pour venir aider Haïti, aider Haïtiens yo sortir dans scandale ça y est là? Je dis à m'a comprendre que les que ensemble de matériel t'a venu, est-ce que yo pas prévoir que mais ça qui plus nécessaire, mais ça plus important pour venir? Comment mes ça me dit hein? Parce que on dit que yo connaît côté a venir. D'abord, yo te voyé au premier délégation kenyan qui t'est entré en Haïti, qui devine parler avec autorité nous yo, qui vient étudier terrain pour venir ça gagne comme problème. Yo aller. Là, yo essayer comprendre. Là, yo dit tête que côté a venir, mais ça qui gagne comme problème. Parce que en sérieux, Haïti, ça qui a passé dans le pays en juin, c'est guerre liée. C'est guerre liée, c'est vrai. Nous pas en guerre avec Saint-Domingue, nous pas en guerre avec le pays, mais nous en guerre avec même propre tête par nous, je tiens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je tiens, si ensemble de matériel, ça a fini dans le pays, avion a débarqué, avion a vini, matériel a vini, matériel s'y a débarqué, matériel s'y a vini. Et c'est jodi an là que officier kenyan yo a plein que pas de matériel qui vous a dit pour répondre avec opération yo, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ça c'est pour aller un prétexte. Eh bien, ça pour aller un prétexte pour montrer que mais le fait que pas de matériel adéquat, gagne des opérations que on pas mener. Vous comprenez? Le fait que pas de matériel adéquat, ça veut dire que il y a des opérations que vous pouvez mener. Ça veut dire, je vais regarder ça comme argument. Et pas oublier la police a déjà appelé avec problème par lui-même. Pas oublier la police, là, il était déjà appelé avec problème par problème matériel par la police, là. Et l'armée d'Haïti, tout même gens. Et me dit nous que c'est volonté pas gagner vraiment. OK. Pour résoudre question insécurité. OK. C'est volonté pas gagner vraiment pour ta résoudre problème insécurité. Vous comprenez ça? Moi songe gagner chef la Haïti. Commandant Jovenel Le Sage sous Ariel Henry. Il t'a dit que si yon baye l'armée d'Haïti, bon deux, trois chars de guerre, comme si ça yon kon mè vraiment, chars avec chaîne yon, yon baye ou mè un hélicoptère d'assaut comme si ka goumè en lè. Yon même l'armée d'Haïti, mette avec la police nationale d'Haïti, yon résout l'insécurité. Autorité américaine yon, Nations Unies, yon pa, même ba sa importance même. Au contraire, yo te nié question ça. Yo te ignoré ça fait ça. Parce que yo te dit que hey, Haïti sont bagou zam.
Et question là, mes d'Haïti, mobiliser, motiver la mes d'Haïtien, ça va dans l'agenda yo. Alors, ce que nous avons ensemble de jeunes femmes ou jeunes garçons dans la mes d'Haïti, qui apprend formation à l'étranger, qui apprend formation en Équateur, qui apprend formation en Colombie, ça veut dire qui préparé ou capable de gérer la question ça. Yo pas vous, yo pas prête. J'aime da dire, hein? Yo pas même ba importance avec ça. Et je dis, hein? M'a dit avec chaque monde là. Ou est réseau de sécurité, hein? Comme c'est la priorité nous je dis, hein? Réseau de sécurité, hein? Bataille contre violence, là. Et toute forme de violence, violation de mon cap fait là, li pas en bataille piti. Li pas en bataille piti, non? Et je dis, hein, m'le que chaque moun capable comprendre comment que, pou yo pote contribution pa yo, j'ai parti sur pa yo, nan aide résoudre sa gen là comme insécurité. Bataille contre question de sécurité. Les que m'tande président conseil sécurité, président conseil transition, qui c'est Edgar Leblanc fils, monsieur dit que, monsieur salue gros travail, police nationale lui-même, qui continue à repousser bandits en bas la ville, axipo, force multinationale. Et Edgar Leblanc fils dit reconnaître mission multinationale soutien sécurité à Haïtien à la police non pas assez matériel pour remplir mission comme ça droit mais pouvoir à discuter avec international sous dossier ça mes amis tendez bien ça me dit bon me prend ça pour nous. Edgar Leblanc fils, monsieur dit, président conseil, président cette transition. Monsieur dit, il reconnaît que mission, il n'y a pas assez matériel pour remplir mission comme ça droit. Mais pouvoir discuter avec international sous dossier ça. Vous me comprenez? Que conseiller présidentiel yo les priorités vin occuper job ça pas ça une première condition qui était imposée avec conseiller yo gonzalde c'était d'accord que pour que mission entre en Haïti et une première condition yo d'accord pour que mission rentre en Haïti. Est-ce que vous comprenez? Première condition te mande yo. Yo tout te tombe d'accord. Mais si yo pas d'accord, yo pas ta occuper poste conseiller président. Mais si je dis là, attendez bien. C'est jodi. Edgar Leblanc fils comme président conseil transition. A reconnaître que mission pas de matériel. Y a discuté avec international là. Pour ba au matériel. On avait dit. Ça veut dire que mission pour te préparer pour te rentrer en Haïti. Non. Mission pour te préparer pour te rentrer en Haïti. Vous clair sur ça? Mission pour te préparer pour te rentrer en Haïti.
C'est vrai, vous connaissez 600 millions de dollars que mission a coûté. En pile pays te dit abaitan. Bon, nous pas connaît, est-ce que tout pays te dit abaitan? Est-ce que déjà fin bay? Ou dis-moi, est-ce que dans la quantité que te dit abaitan, combien vous bay déjà? Vous comprenez? Nous pas connaît. Mais regardez que conseiller présidentiel yo gouvernement koni non on dit conseil qui est parti pour 4 mois conseiller yo yo déjà parti pour 4 mois est-ce que vous comprenez? Conseil déjà allé pour 4 mois là. Si démontre dans mois d'août, moi commencer compter. Il beaucoup faire en sérieux. Il beaucoup régler en sérieux. Que mettez gouvernement, que mettez premier ministre et premier ministre dans tête collé avec yo, yo mettez capé gouvernement. Et yo déjà mettez directeur directeur général boîte l'état. Très bientôt, yo pral nommer agent exécutif intérimaire yo délégué départemental yo tout ça yo après ça entendez c'est question conseil à mettre grampé OK mais je dis hein OK OK je dis là, ok. Ok. Je dis là, ça que les chats m'ont compris. Est-ce que au lieu que tu as vu, mettez tout espoir yo. Sous officier kenyan yo, ou dis-moi ce que, sous mission multinationale, soutien sécurité à Haïtien, la police nationale d'Haïtien, pour qui ça ou pas de gonfler venio, pour qui ça ou pas de demander moyens adéquats pour la police nationale d'Haïti. Yeah. Laisse ça. Plein qui vient là, pas de gagner. OK. Plein qui gen là pas ta gen. On dit nèg ou getan là. Y a paye yo officier yo, y a paye 1000 combien dollars américains. Nèg yo nan base. Kounya la pou se kounya. Nèg yo plein y a dit que oh, yon pa gen matériel. Ben matériel ki nan men yo an, pa kapab mene batay lan. Est-ce que vous comprenez? Moun tou comprenez non? Matériel ki nan men yo an, pa ka mene batay lan. Je dis an, ki sa vle fè m comprenn nan? Hein? Ki sa vle fè m comprenn? C'est comme quoi m'a dit que, t'as vu, mes amis, hein? C'est soldat nous y est. C'est officier nous y est. Nous prenons dans le gourmet. Nous prenons dans la guerre. Et vous marchez en forme, monsieur. Comment bien? C'est soldat nous y est. Nous prenons dans le gourmet. Nous prenons dans la guerre. Et pour marcher en forme. C'est pour marcher en forme. Qui donc? Et pas que pendant que la guerre a commencé, hein? Pendant que la bataille a commencé, hein? C'est laisse ça plein la tête de matériel. Ou dit, mais ce que matériel yo, bah, ne pas répondre. Mais pas dit aucun expert, pas dit aucune expertise qui était faite.
dans matériel qui t'a venu yo. Comprenez bien ça me dit hein? Est-ce que dans ensemble de matériel qui t'a venu yo, est-ce que pas aucun édite qui t'est fait? Même je Canada que nous d'acheter ensemble de dans men. Ceux qui bonne boîte carton bouillie que hein? Parce que nous pas vraiment des experts. Haïtien, mais des gens qui connaissent, qui peuvent aller à étudier, à regarder niveau blindage, blindé qui est acheté dans le Canada. Les gens viennent ici, ceux qui ont blindé transporteurs de troupes, ceux qui ont blindé boîte carton, les policiers ont mené des opérations là-dedans. Ils prennent pas de caoutchouc, ils chauffent, ils si, ils ça, ils prennent un embuscade, ils sont derrière là, ils disent tous les policiers. Est-ce que eh bien, mission t'a vini, hein? Ensemble de matériel t'a vini, yo. Est-ce que pas de deux, on dit même au niveau de les États-Unis, oui, des experts, dans question sécurité, dans question matériel, est-ce que pas de deux, t'es étudié matériel, yo, ou t'es capable de que, mais matériel, ça, yo, par rapport avec sa guerre en Haïti comme situation, hein? Eh bien, est-ce que y'a pas répondre avec situation, hein? Comment bien? Je vais comprendre ça m'a dit. Parce que nous allons comprendre qu'il y a une bêtise qui a passé nous. Yeah. Yeah. Ok. Ok. Ça veut dire que Monsieur Tamio, on dit même autorité Nations Unies, il a été dit que oui, il a accompagné mission, hein? Bien que c'est une mission non onusienne, donc Nations Unies pas inclus la donne, Nations Unies pas mêlé la donne, et ça, ça veut dire. Mais qui côté décision prend, c'est dans Nations Unies. Qui est-ce qui dit à décaisser l'argent? C'est des pays en dedans Nations Unies. C'est d'accord ça. C'est d'accord ça. C'est pas jodi en là que des officiers kenyans a vinti que matériel ça yo pas répondre. On regarde clairement. On regarde clairement ça mettre en autre. Comme en 2004, les que après coup d'état Jebet Karistide là, l'état après le gain s'en relé, rivé, soldat ministère en Haïti, ok? L'État va gagner rivé soldat ministère en Haïti. Bien qu'il ait changé en 2004, c'est Brésil, pays Brésil, qui te prend tête mission à la ministère à l'époque. Te gagne pile matériel qui te débloqué. En pile matériel te débloqué. Nous changeons de conneyo. Alors que, ça te gagne en 2004 là, li pa an yen de massacre là en 2024. Yeah. Sa te gen en 2004 là, pa rale pa même 1.1% même nan sa gen là comme situation. Et ou te wè comment que ministre te gen de moyens pour être capable d'entrer en Haïti et vin d'abli sécurité en nan pays. Et si je dis là, 20 années après, situation vient plus mal. Bah quoi c'est un ensemble de cartons emboîtés, sachets qui ont été mis.